Yé la tout mouna, jodi la si page Midoukam, nous tini l'onè, nous bienvini côté misi Hector Poulet, en Kazaï Kapestebelo. Hector Poulet, son met à mon yonk l'ovo, bizan palé à six affaires à langue Midoukam et qu'il t'y au pays. Son met l'école mathématique, en biochimiste, en maquette parole fonche, maquette pièce théâtre, maquette zakari, tradicte. Nous chans libre côté réveil jodi la d'avoué si yon a dans ce potomitan là, qui goumé, qui roule en paquet pour langue en nous. T'es porté toutes les épaules taille, puis puis marcher bien debout, bien vaillant, à dans l'école et puis plus passifé, premier dictionnaire à langue Guadeloupe. Qu'a fait 25 ans et nos strom la retraite, mais c'est là il cabaye plus chabon encore. Tant de paroles. Alors ça c'est Lucie Kofi, c'est grand maman moi. Pour moi, en série, c'est mon modèle pour te résister à mépris que je rabats en tant que néglige. C'est une femme qui est très fière de sa étayé et qui a dit en son congrès. Ça, c'est ma maman. Là, j'ai mis 50 ans, 40 ans peut-être. Et là, il fait moins, il dit comme ça. Ouais, lance-moi. Papa, moi, qui était ni même nous qui moi, Hector, était mon chercheur. Campagne Trois-Rivières. Il y a une famille avec les Romains, les Gaspard, les Lauriettes aussi, hein, les Lauriettes, les Rupert, tout ça, c'est même famille, la même grande. Grand famille Millet. Il y a passé comme une commune parce que Antana, c'était le monde qui était incité au officiel. Il était fait l'école normale. Il était des droits. Et c'est la commune qui a logé enseignant. La commune là, ni pour loger enseignant en fonction de famille et en fonction de titaille aussi. Et lui, en tant que directeur de l'école, il était qu'à exiger qu'il y ait un case pour mettre Madame Aïe et Timounaï. Et ces communes là, parfois, il n'y a pas de cani, bon logement là. Il dit qu'il a protesté contre l'Oriette. Hein. Il était famille, hein. il était en relation, hein. Tout ça c'est mon chercheur. Donc il a dit, monsieur, trois merdes, hein. Il est venu d'un autre côté. Donc il a fait échapper, l'année après, il a fait échapper. Et donc nous, comme une telle école, chaque année, nous avons une commune différente. Donc depuis petit, en point d'habitude, pas lié moins fort avec mon, puisqu'on sait que l'année après, c'est qu'on a d'autres. Donc encore fait des amis faciles, n'importe qui, nous avons discuté avec n'importe qui, nous avons des amis. Mais on va pas attacher moi à ces mondes là, la vie qui a séparé au vie, c'est comme ça, formation en moins fait. On va pas dire faut tout le monde comme ça, hein. Mais même gens, famille en moins pas, tous les deux qui avaient l'école, jamais famille en moins, ni papa en moins, ni maman en moins, pas au moins 6 élèves pour faire des devoirs. Jamais. Des Hector fait des devoirs, Hector veillait qui travaille, jamais. Il n'a pas fait ça, même. Il n'a pas jamais fait ça pour ces mondes là, moi non plus. On était professeur mathématique, on va jamais enseigner ces mondes là, moi mathématique, on va jamais faire. Dit voici qu'il connaît théorème. En théorie, il était contre les autres timons. Il n'y a pas plus de chance que les autres là. Puis très vite aussi, on comprend que la couleur n'a pas valé à moi. Elle n'a pas parce qu'on est blanc ou ni l'argent, ni plus intelligent. Elle n'a pas parce qu'on est nègre ou couillon. Et ni ça pas veut dire qu'on est intelligent non plus. Voilà. Donc c'est tout ça qui a fait qu'on sait moins quoi. En fait, en ce béton, le premier côté de moi à l'école, c'est Sainte-Rose, en CP. Ouais, bon. CP en Sainte-Rose, mais CE1, Lance-Bertrand. Nous vivons Lance-Bertrand. Ouais. CE2, Trois-Rivières. La moitié Trois-Rivières, la moitié des habitants. M1, alors CM1, en fait, l'étang noir. Et CM2, en commencé CM2, Grand-Bout, en fini à Port-Louis. Ouais. En fait, 6e à Port-Louis et en fait, 5e à Paris. Alors, ouais, c'est tout ça qui a fait qu'on a montré que son une personnalité, voilà. Faut qu'adapter là où il est. Faut accepter les gens aussi, surtout ça. Parce que les gens pas changer, les gens qui ont pas à part 15 jours que changer. Donc, en pas jamais essayer de changer pour les gens non plus. Voilà. Donc, 1950, on était à Paris. Et comme maman, moi, t'es obligé d'entrer après un an congé, parce que j'étais en congé administratif de un an, comme il était obligé d'entrer, papa, moi, était malade, il était à l'hôpital. On était tous à l'hôtel à 12 ans. En tout cas, à l'école en moins, en tout cas, faire manger en moins, en tout cas, manger à la cantine le midi, et le jeudi, en tout cas, il ne pouvait pas pour moi à l'hôpital. Donc voilà, c'est une certaine indépendance, une certaine. Bon, évidemment, ça a formé quoi. C'est quand on dit, en fait, on partit quatrième, c'était fin d'année là. Ils ont fait grand grève à ces enseignants-là, qui duraient 45 jours là. Grand grève là pour tenir 40%. Et donc, on fait fin à quatrième à Port-Louis. Et on refait quatrième, parce que comme quatrième a été très bouleversé, on refait quatrième au lycée Carnot. Et on était au lycée Carnot, quatrième jusqu'à la terminale. Après, bac, on repartit en France, en 1958. Et après ça, on virait en 68. On était 10 ans en France. En tant que ça, c'est un bateau, mon gars, bâti. Hein. Et au patriarche, viré tous les handicaps à présent. Hein. C'était 10 jours bateau. Donc, on virait en 68, après mai 68.
En février 68 à Paris, en théâtre dansé, mon là qui était qu'à occuper 8 000 hommes là, parce qu'elle nous occupait 8 000 hommes, nous occupait Casso Dôme, tout ce qui était ça, tout ce qui était à Dôme là, nous occupait eux. Et puis après, on dit bon, comment entrer en Guadeloupe pour en faire révolution moi aussi. Entrer, on pas fait révolution là, en tout cas, qui fait là, mais en fond, on fait une révolution involontaire d'ailleurs, parce que là, on arrivait en 58, en 68, je vois mon poste à Saint-Louis-Marie-Galante. Mais à Saint-Louis-Marie-Galante, en tennis élèves qui étaient qu'à sortir à Gifort. Dans ce monde-là, je n'ai pas de parler français. Je n'ai pas parler français difficilement. Il a fait pour ces mathématiques. C'est là qu'on dit si l'année prochaine, nous avons un poste en Guadeloupe, il faut rapprocher de l'Oriette. Et c'est comme ça qu'on vient à écouter l'Oriette pour prendre une méthode pédagogique à l'Oriette et on travaille avec l'Oriette. Voilà. Nous créons l'AGEP, l'Association Guadeloupe d'éducation populaire. AGEP. Adam était ni Félix Rode, c'était trésorier de cette émission 4 ans, qui était photographe. À Bastet. Et c'est à partir de la JEP, c'est mon beau-frère Rod qui était maillé en martiniquaise, qui a créé la MEP en Martinique. Sauf que la MEP tenait soutien à Césaire et nous pas tenait soutien pour moi. Donc la JEP mort et la MEP prêté. Après ça, on tenait un poste à Gourbert. Directeur Gourbert, c'était Zamia, ma maman qui était enseignante là aussi. Il autorisait moi tous les après-midi libres pour moi suivre cours à l'Oriette. Donc on était enseignant le matin pour l'éducation nationale. Et l'après-midi pour l'Oriette. Bénévole pour l'Oriette, bien sûr. Nicolas, t'es basté. Adam Cave, à Rhodes, et nous tenions jusqu'à 80 élèves à dans la salle. C'est là, en prend 2-3 élèves en bas, en moins aussi. Je travaille une unité à casa, en moins, en tout cas, dormi là, parce que des fois, il y a 46 habitants. Pas de transport pour rentrer à casa, en tout cas, dormi à casa, en moins. Donc, c'était en l'éveil qu'on s'était dit mon nom. Donc, ni en l'eau qui venait, au-delà, il y a la retraite, mais ni qui venait directeur à la douane, ni qui venait responsable à tous les médicaments qui rentraient à Saint-Martin, c'était qu'à contrôler ça. Enfin, bref. Alors que c'était des petits voyous au départ. Les gens qui étaient éveillés, ils étaient croyés que c'était des petits voyous, ils étaient des rôles dans toute l'école. Mais il vient des noms. Et grâce à philosophie à l'Oriette, une philosophie qui est encore développée là. Là, vous voyez là, nous sortis, nous ne devons pas gaspiller ça, nous ni comme patrimoine génétique, fait couillonnade. Et là, vous persuadez ces gens-là, vous persuadez que Adam, il n'y a de quoi. Que puisque ça a fait là, eh bien, vous avez gagné vos médailles. Il peut qu'elle laisser courir. Voilà, donc on travaille avec l'Oriette. Et puis après ça, 1976 arrivé, c'était la Soufrière. Tout le monde a été déménagé à Silla-Pointe, à Sigonterre. Et c'est là qu'on vient rencontrer Sylviane Telchid. Et nous commençons à travailler sur mon dictionnaire. Là, nous travaillons pendant un bon pile d'années sur ça. Après, c'était tout bon édité. Pas de monde qui devait éditer créole, parce qu'en tant que pas de monde qui a cru que créole était fait. C'était qu'avant. Qui gens nous trouvaient moyen quand même, trouver un moyen de faire éditer, vous savez qui gens? Premier président de la région Guadeloupe, c'était Moustache. Moustache, c'était Mélance Pétron. Et en fait, on demande côté pour dire est-ce qu'il a financé. Est-ce que si en tout monde éditait, est-ce qu'il a aidé à éditer là? Il dit mais oui, pas de problème. Et pour qu'il va y aller, parce qu'on a fait Trans-Bétran. Si on a fait Trans-Bétran, on aurait comité Trans-Bétran. Il dit bon, allez, on fait Trans-Bétran, allez y aller. Et il va à Thier Anti, il va y avoir une subvention pour être fait pour le dictionnaire. Et je là, le dictionnaire a mis 4 éditions différentes. Donc, chaque fois, il a augmenté. Avec Sylvie, à un moment, nous dit bon, si vous ne pouvez pas chercher dans le dictionnaire, on ne peut pas honnête. Si par honnête, il ne peut pas chercher. Si tu veux mot-là dans le texte écrit, mais pas un texte écrit. Donc, il peut que tu veux mot-là. Si par honnête, qui Konoko, par exemple, il peut chercher Konoko, puisqu'il n'est pas honnête. Alors, il faut faire un dictionnaire français créole. Il peut que tu veux Konoko, mais il peut aller chercher Bermuda. Après, nous faisons dictionnaire, nous, tout le monde a mis au dictionnaire. Martinique, Réunion, Guyane, tout le monde a mis au dictionnaire. Bien longtemps avant nous. Vraiment tout à l'heure. Bien avant, nous avons un petit groupe de monde qui déjà réfléchi à ces créoles, qui était avec Nessouta. Et ils ont commencé pour un dictionnaire créole. Mais ils n'ont pas jamais été fini, le groupe l'a chiré. Et ce qui était là, c'était M. Bazirk. C'est tout ce qui était tout ça qu'ils ont déjà fait. Et c'est pourquoi ils ont publié un petit livre, nous avons essayé le langage créole. Et c'est Adam qui a trouvé tout ce qui était dans ça. Avant, nous, c'est ça qui a existé. Presque pas un bon livre là, ça encore. Et une toute histoire à la langue créole. Dans le même groupe là, ça a été Robert Germain. Robert Germain qui était en l'abbé et qui était dans le même groupe à Anne tout à l'heure. Et il fait grammaire créole. On dit, là, c'est nièce à moi. Enfin, c'était frère à moi, mais hein, frère à moi. Donc, c'est fille qui est là, avec Timounaï. Là, c'était frère à moi. À côté, c'est sœur à moi. Il y a pas tant d'héritage. Hein. C'est moi qui fais mon maman acheter un morceau de terre. Et après, on dit, pourquoi partager en quatre? Et comme ça, c'est qu'on a chaque trappé un morceau. Ça, c'est un maïs spécial qu'on a trouvé. Maïs doux par poussant en Guadeloupe.
avant maïs capoussa ou adoup et doux, pas maïs à poule. Avant, les amis, nous avons cherché un pompon soldat, nous voulons faire une espèce de désherbant avec ça. Soit désherbant, soit insecticide. Alors, il y a une maladie qui a fait ces jours-là, ça, hein, qui envahit la Guadeloupe, qui fait que la café qui a augmenté en l'eau. Et tout à l'heure, on a planté picarambole. On a tenu 120 picaramboles. Chaque picarambole a à peu près 300 kg. 1 hectare, c'est 100 mètres sur 100 mètres. C'est 10 000 mètres carrés. Donc, on a 1 hectare. En bout de la forêt, là, ça, donc c'est pied d'aboca, pied cajou en mer, pied poyo, sucré. Et en cas de fond, on mettait des herbants. Parce que là, on mettait des herbants, on croit tuer plantes, mais on croit tuer bêtes. Si bête d'oiseau qui a mangé des oiseaux par une. C'est pour ça que si vous voulez des oiseaux, il ne faut pas remettre des herbes. Et là, nous arrivons dans le hangar là, qui a servi moi là-bas. C'est là, on a fait tout petit secret à moi. Tout secret à fécondation, à fabrication, à champagne, vinaigre, vin. Et là, on commence à préparer un vinaigre, un moment à vinaigre. Ouais, à groseille. Il faut en bailler manger parce qu'il est fin. Et si on va bailler manger, il est étouffé. Mais si on baille trop, il est neillé. Il ne faut pas en neiller. On va bailler manger, mais manger là, il faut manger la coulée, c'est ça. Comme ça. Il faut qu'il coule comme ça. Il ne faut pas neiller, maman là. Ah, c'est beau là. Voilà. Pas plus de là parce que sans ça, il est neillé. Voilà. Il faut laisser là. Et puis, de temps en temps, on va venir bailler manger jusqu'à temps qu'il arrive en haut. Et en haut, il va flotter. Parce que s'il coule au fond, il va mourir. Et s'il meurt, le vinaigre va sentir mauvais. Parce qu'elles sont on est vivant, un meilleur de vinaigre là. Mais là, nous commençons à fabriquer 20 pétillants de groseille. Mais avant, on a fait 20 pétillants de caramboles. Et là, la Madeleine, c'est une montagne sacrée à Caraïbes. C'est pourquoi vous voyez toute bouteille à Caraïbes qui a passé à l'entour à la montagne là. Ça. C'est un dernier petit carbé qui a pris sous ça. Et Raménéo, assis en pied bois, qui a marché. Votre pied bois qui a marché, vous avez l'impôt, j'en vois. Excuse-moi. Là, on va rester là, on dit, mais c'est pour les couper, puis voilà, couper ça. On dit, mais pourquoi vous voulez en couper? On vient de trouver là, laissez là. Donc là, c'est pour prendre force à la natie, pour vous prendre souffle. Vous pouvez traverser, puis voilà. Et chaque fois, il va être plus loin. Il va mettre peut-être 100 ans pour faire 10 cm. Mais il va avancer. Voilà. Ça, vous pouvez raconter nous peut-être une histoire par rapport à pied bois là, ça? Alors, histoire qui n'est pas rapport à pied bois là, ça. Convergence à l'Iro des sites. Habitation, on a acheté une grande habitation qui était capable de 200 hectares. C'est l'habitation Duplessis. Monsieur Duplessis était un alambic, il était capable de faire Rome. Et puis après, il a arrêté de faire Rome. Percepté là, il était capable qu'il était capable de toujours. Il dit, mais non, on ne va pas dire ça encore. En juste, on a l'alambic, là, en bas, on ne sait pas. On ne sait pas qu'il n'y a pas ça. Mais il était caché à l'alambic, côté site là, en bas pied voilà ça. Et puis, il était dit, pas là, ni un zombie qui là, ni un zombie, pas côté là, ça même, ni un zombie. Donc, pas monde pas qu'à pointer côté site. Et Alambic a été bien caché, parce qu'en bas pied voilà, il y a un grand tout, qu'on caverne, en bas pied voilà ça, là, de l'autre côté là. Et puis, on voulait venir chercher Alambic, on était fou quand même à Alambic. Et tout le monde fait gérer, il dit, zombie perdu. Et c'est pour ça que nous, à côté site, c'est zombie perdu. Voilà. Et puis voilà ça, si vous regardez bien, vous pouvez voir qu'au départ, il poussait à son pied fouillé à pain. Alors, non, puis voilà ça, je crois qu'il est figué maudit en créole. Hein. Je crois qu'il est figué maudit parce qu'il a poussé à son pied bois et il a tué puis voilà, il poussait à celui-là. Si vous regardez. Vous voyez, moi, ce bois là ça? Il doit être vieux, tout bonnement. C'est bois fouillé à pain. Vous êtes bien arrivé en Guadeloupe après 68, oui. Faire révolution. Mm-hmm. Vous dites comme ça, vous faites d'autres qualités de révolution. Mais qui laisse là où tu n'es pas là au commencement? Alors. En 68, on m'a fait quoi songer 67 et demi, 67 alors. En même temps, c'était temps où, pour mon patron, ça voulait Che Guevara. Je lui ai dit, Che Guevara qui libérait l'Amérique latine. Et donc, on a dit, la libération qui arrive, il faut nous sur place pour nous construire la Guadeloupe. Parce qu'il n'a pas tout dit, fait français parti, mais après ça, il faut nous construire. Donc, on dit, on va vivre en Guadeloupe pour participer à la révolution de la Caille faite là. Mais la révolution n'a pas faite. Et en tout cas, moi, involontairement font révolution, puisque en fait en sorte que les Guadeloupéens, je dois tout le monde à lui-même, c'est pour dire merci pour ça, pour nous. On n'a pas fait l'esprit. Hein. On n'a pas fait l'esprit, ça a tout veillé comme ça, c'est moi qui fais, mais en bas, Guadeloupéens, fierté à eux, parce que ça va présent, ça ne va pas, là, son langue contre toute langue. Contre toute langue, et pas contre toute langue tout à fait, parce que, si vous bien gardez, Américains, ils n'ont pas langue anglaise, ils n'ont pas fait langue, ils n'ont pas langue anglaise, parce que c'était colon anglais. Amérique du Sud, ils n'ont pas espagnol. Brésil, ils n'ont pas portugais. Nous fabriquions avec ça nous trouvons. Timosso Afrique, Timosso Europe, Timosso Indien. En bas, si vous voyez le livre là, ça,
original à chaque mot créole. Choukamo. Oui, Choukamo. Mm. Voilà. Et nous mettons mot anglais là-dedans. Et l'anglais, nous pouvons faire une feuille. Et pas qu'on dit que mot créole, c'est un mot qui réserve un qui pour blanc. Parce que blanc a envie de dire c'est taille. Mais blanc n'a même pas qu'à exister sans nous. Hein. Si pas tenu, est-ce qu'il n'y a pas tenu blanc? Donc c'est nous qui a fait à veille. Donc créole pas plus taille qui est en nous. Mais on n'a pas qu'à rejeter rien. On n'a pas qu'à dire qu'on n'a rien avec normand, avec langue patois français. Non! On y ça aussi, avantage en moins. La radio, moi, radio, moi, Guadeloupe. C'est quand Adam G4 en moins, on y pise à tout. Ouais. Les autres peuples, on sait à tout, moi, on y pise à tout. On y a tout blanc, on y a tout nègre, on y a tout indien, on y a tout chinois. Moi-même, j'en vois vraiment là, si vous regardez moi bien, vous pouvez dire à mon Jean Bridé. On y a arrivé au grand-papa, il sortit les saintes, c'était parmi les Japonais qui étaient en Guadeloupe. Je t'ai signé un contrat à 3 ans. Et il dit trois ans a passé, il n'y a pas parti. Il n'y a pas arrêté de travailler. Le gouvernement japonais dit, ça qui fait partie, très peu arrêté. Peut-être ni 4 ou 5 familles qui ont été, dont en arrière grand-papa qui était les saintes. La famille Corbin. Mmh. Politiquement, finalement, révolution n'a pas faite. Pour est-ce une révolution qui doit être faite un jour? Politiquement, posons. Moi, on a l'habitude de dire, en hein, pas national, mais moi, indépendantiste. En pour indépendance à pays là ça pour ces moun à pays là ça qui a décidé qu'a qui bon pour you à part pour décision qu'a pris de prendre d'autre côté bon et comme on dit toujours toute la rivière qui arrive en mer donc nous qui en mer peut-être rivière là qui descend des fois plus lentement des fois plus vite des fois que révolution a avancé mais nous qui finit pas arriver. Nous ne pouvons pas arriver, nous n'avons pas besoin de tuer pour le monde, craser pour le monde. Ça qui est pour partir, qui est parti. Vous savez, Chaussix, quand il était avant Rasta, il était fait collier à Gren. Il a dit, mais si nous avons fait un livre à Gren. Et c'est là que nous commençons à faire un livre à Gren. Et le livre à dit toujours, hein. Je me suis à Foubap. Sauf que Foubap est arrivé à faire jusqu'à 30 kilos. L'ami, il y a un goût entre Zanana et Banane. Vous voyez, juste en bas, il y a un juste en bas. Ça fait en haut, c'est un indien qui fait rentrer. Ça, c'est un pays qui est en Inde. Et non, que là, c'est un tamoul, c'est Peleka. On le mot qui a fini en cas. On y Peleka, on y Avelka. Malaka, Paroka. Tout ça, c'est mon tamoul. Tous les matins, avant, on boit pont d'être qualité bitin. Le premier bitin qu'on boit, c'est un petit frais. À présent, tout le monde qui a fait dans la clitoria, donc, mais moi, il n'y a pas trop d'en rafait. Hein. On ramettait Damiana. Damiana, c'était là. Voilà, c'est Tionera Damiana. On plante stimulante, car. Par énergie. On va mettre rose cayenne, mais des fois on va mettre rose cayenne, on va prendre un hibiscus ordinaire, qui n'est pas double, mais c'est un hibiscus. On va mettre un fer hibiscus, voilà. Voilà, nous faisons tout. Mais oui. En réalité, il n'y a pas moi qui tenais des vêtements créoles à l'école. L'Ouyette tenait l'école là, il était qu'à servir avec Maïe, à partir pour créole, c'était pour français en final de compte. Nous étions qu'à travailler avec Sylviane, tout ça, si on dictionnait créole. Directrice là, c'est qui dit nous, est-ce que nous partons et faire un cours créole pour tout le monde qui a une difficulté. On dit bon, nous réfléchissons ça, nous faisons un petit groupe. Là, nous faisons un petit groupe, nous faisons un petit cahier, un premier petit cahier pour voir quand on peut enseigner, parce que nous ne pouvons pas connaître faire ça. Officiellement, ça n'a pas été programmé pour un côté. Après ça, il était fait présenter le cahier là, ça, il était fait présenter l'inspectrice là. L'inspecteur là dit non, pas question de faire que là rentrer l'école. Bon, alors nous demandons, vice-recteur là, parce que c'est un vice-recteur, nous demandons, il dit non, pas question de faire ça rentrer l'école. Ah. Mais comme c'est une madame polonaise qui était grosse, il dit puisque vous n'avez pas fait rentrer l'école, nous pouvons faire rentrer en télévision. Là. Il dit moi, est-ce qu'on veut faire un cours en télévision là, basé, est-ce que nous voulons faire? Sylviane dit moi, ah, on va en barrer, un courage, je fais ça devant télévision, caméra, tout ça. Bon, allez, on utilise ça, t'es dans le groupe là. Allez, on utilise, ah, ouais, il parle dans ça non plus. Sores dit, ah, ouais, il parle passer devant. On dit, bon, ben, c'est moi qui paye. Et on dit, pour montrer qu'ils ont créole là, son langue qui n'est pas spécifique à créole Guadeloupe, on prend un texte à créole Martinique, à mon chouache. On prend un texte, tu ne l'as pas été connaître. On a affiché le tableau. Donc, le vrai texte là, c'était. Viekora et Chiméan. On Viekor, on Chiméan. Viekora, Kamassé, et Chiméan. Ouais, c'est une réalité que ça. Et il faut y voir si on peut comprendre que le Martinique. Et donc, il faut bien voir que le Martinique, c'est une réalité comprendre très bien. Et philosophie à la texte, parce que c'est un tout petit texte poétique. Même philosophie à Ogomoune pour tout le monde, il comprend qu'à poète là, tu avais dit. Eh bien, après ça, le monde vient barrer dans le Chiméan. Il dit, ouais, c'est bien fait, tout le monde a nous parlé créole. Et les autres, tout le monde a parlé français.
Et puis, j'ai chien à l'autre qui a parlé français. Et en plus, ouais, ou pour un texte Martinique encore. C'était une grosse critique. C'était juste un texte Martinique, ouais, pas même que Guadeloupe. Enfin, bref, pour montrer. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et il faut attendre 1982 pour que mettre Mitterrand au pouvoir. Et Mitterrand vient nommer un recteur Guadeloupe qui était Juminière. Juminière, même, était paix, population là. Il dit, nous, chaque trimestre, il faut nous voir le programme là-bas. Il faut nous voir exactement ça, nous fait bail tous les trimestres. Bon, compte rendu, hein. Si au cas où tu es attaqué, puis tu es dit, mais ça, il n'y a pas fait. Alors, mon trimestre qui est parti, il nous met un autre directeur. C'était M. Kozak. Le directeur a dit, ça n'a pas que le capacité là, ça va arrêter ça, bon, hein. On parle plus de ça encore. Ils ont dit ça comme ça, le bureau là, ils ont dit ça, les nommés. Là, le Kozak arrivé, le capacité, il n'a pas dit, nous, rien. Il dit, nous, est-ce qu'il peut assister à cours que l'on a? Nous dit, oui. Il a assisté à cours créole, il venait à essayer d'écouter, il voit que j'en avais cours créole. Il a écouté cours à Sylviane, il dit nous ça, donc après là, bien. Comme il n'y a pas moins pont ordre écrit, en cas d'attendre, écrit ça noir sur blanc pour moi, mais pas arrêter cours créole. Tout n'est pas écrit à rien, continuez. Donc nous continuons à faire bêtement. Après ça, nous trouvons le. Mais attends, tellement que nous là, c'est une Martinique, il ne peut pas faire rien. Il ne peut pas faire rien. Là, ils viennent apprendre ça, ils ont invité nous à Martinique, à Grand Rivière. Ils ont fait une conférence, c'est ça nous a fait. C'est bien Abbé qui a invité nous. Les nous voyons là, ils disent ah non, ça trop bien ça nous a fait là. Nous voyons des mouns, vrais qu'ils ont fait. Des enseignants. Ils voyaient des enseignants, Grand Rivière et Carbet, ils viennent vrais qu'ils ont fait. C'était Yvon Bissol et Paul Blameb. Ils viennent là, là, ils voient les gens, putain, c'est... parce que nous ne faisons pas aussi, il faut dire, hein. Nous avons fait un genre pour ces teams, les autres teams étaient jaloux. Parce que nous avons fait théâtre, nous avons fait chanter. Et là, nous avons passé côté de classe. Nous avons fait les autres teams, nous avons regardé. Cloche à casse, nous avons fait en classe là toujours. Alors, là, ils sont venus, ils ont vu ça. Ils ont dit, nous voulons venir avec tous les élèves. Ils sont venus avec 40 élèves, Martinique. Depuis Martinique. Depuis Martinique. Ils sont venus avec 40 élèves Guadeloupe. Il faut loger, il faut manger. Il y a un équipe pour cours. Je suis venu pendant une semaine. C'est l'oyette qui était maire qui vous souhaite. Ils mettaient un car à disposition pour te déplacer. Ils mettaient un case qui était cassé vigile à Foncacou pour loger. Ils étaient où sur le compte des types. Le matin, le gars venait sur le coup là. L'après-midi, le gars est promené en Guadeloupe. Et puis après ça, là, il trouvait Petit Bout. Il m'a dit fait même. C'est le premier côté qu'il a fait créole après Capester. C'est Petit Bout. Bon, nous, contexte la photo là, ça c'était Capester. 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 Et en partie ça, on a fait photo là. On a vu une parfinette là, il fait photo là. Et en. On va être au courant. Si on photographie, il vient faire photo là pendant le café court là. On joue encore dans un restaurant magasin, on regarde la photo là, c'est affiché. On va dire, mais c'est moi ça, qu'est-ce que ça va faire là? Je dis, oui, c'est un tel, un journaliste qui était passé, qui était venu chez vous, et il fait photo là. Et ces photos là, ça nous prend nous photographier. Nous. Ça veut dire, c'était ni quand même. Ah, t'es ni. Curiosité par rapport à ça. Ah, mais... ouais, t'es ni que. C'est un but extraordinaire pour nous, on est. Créole Capester. Ça n'a pas été concevable.